Abdennour Djellaoui, bonjour et merci d'être avec nous. Alors vous êtes seul, mais hier soir vous étiez quatre et vous êtes les vainqueurs du tournoi des jeunes talents. Alors vous êtes originaire d'Algérie, de quelle ville ? Je suis né à Cherchel, voilà, c'est une petite ville côtière à Tipaza. Voilà, et je suis dans le service de neurologie de l'hôpital Tidir. Qui est à Alger. Alger. Voilà, qui est à Alger. Le professeur chef service, M. Etrassi, le chef d'unité, monsieur, le professeur Attal, le professeur Sadebluis, le professeur Macri. Voilà, mes collègues qui étaient hier avec moi, sont du service de neurologie du professeur Ariski, qui est le. Qui est à. C'est lui le chef service, voilà, de l'hôpital, du service de neurologie de l'hôpital Etidir, voilà. D'accord. L'hôpital de Blida, pardon, voilà. D'accord. Donc vous êtes en troisième année d'internat. Tout à fait. Et vos collègues d'hier soir sont assistantes, je crois. Voilà, tout à fait. Elles sont fraîchement diplômées. Elles viennent d'avoir leur diplôme d'études médicales spécialisées, voilà. Alors, quand même, pour les équipes qui vont participer l'année prochaine au tournoi, quelle est la recette pour pouvoir gagner, finalement? Comment vous êtes-vous entraîné? Tout simplement, c'est être décontracté, s'amuser, tout simplement, voilà, aller tenter sa chance. Et, le facteur chance joue beaucoup. Oui. Et moi, personnellement, je n'avais aucune préparation. Le plus important, c'était d'être décontracté. Vous n'avez quand même pas potassé un petit peu les cas un peu rares de la littérature? Rien, absolument rien. C'est uniquement tout. Ces dernières minutes, je me suis isolé un petit peu pour être décontracté, ne pas être stressé. Par la suite, le plus important, c'est savoir gérer le score, ne pas perdre les points. Voilà, donc ça, c'est la première des choses, c'est de ne pas perdre. Voilà, par la suite, essayer de gagner. D'accord. Est-ce que vous avez l'intention de vous spécialiser dans une sur-spécialité de la neurologie dans les années qui viennent? Est-ce qu'il y a une thématique qui vous intéresse plus qu'une autre? C'est vrai, la neurologie, c'est une spécialité extraordinaire. Donc, c'est une vaste spécialité. Il y a beaucoup de sous-spécialités. Il y a particulièrement qui sont, le neurovasculaire, le neuroinflammatoire, les mouvements anormaux, la neuropsychologie également. Donc, sont des spécialités assez intéressantes et assez passionnantes. Voilà. Eh bien alors, bonne chance pour l'avenir. Merci à vous.